Oh. Qui cherche la paix va la retrouver. Si tu veux la guerre, tu vas aussi la retrouver. Tu vas trouver. Si tu cherches, tu trouves. Qui veut la paix n'a qu'à demeurer dans la paix. Chers amis, le titre est déjà là. Partagez la vidéo au maximum. Commentez. Tous ceux qui aiment Nicki Minaj, tous ceux qui supportent Nicki Minaj doivent liker la vidéo. Tous ceux qui supportent Nicki Minaj et ses enfants devraient liker la vidéo. C'est obligatoire puisque vous êtes les Nicki, Team Nicki, vous devrez. Et ceux qui veulent la justice, liker la vidéo, commenter, partager au maximum. Si tu n'es pas aussi abonné, tu dois t'abonner à la chaîne ici puisque c'est là où je fais les analyses organiques. Je vais aller point par point dans la vidéo ici. Qui a cherché qui dans cette relation? Qui a cherché qui? Nicki grandit en France. Une femme calme qui ne parle pas trop à l'âge de 16 ans. Elle a connu un monsieur, Fally Ipupa. À l'âge de 16 ans, Fally Ipupa. Fally qui était un garçon dévergondé au Congo, en Afrique. Kofi l'a façonné. Il l'a amené en France. Fally en Afrique, il connaissait sa partenaire Nana Ketchup. Ils étaient des amis. Mais le jour où Fally a mis ses yeux à regarder Nicki Minaj, Fally n'avait même pas le temps de la prendre comme copine, directement épouse. C'est ça qui est la vérité. Fally n'a pas passé par deux ou trois chemins. Puisque quand Fally était encore en Afrique, il avait aussi des connexions en Europe. Il avait des connaissances déjà. Il savait s'il arrivait en Europe, il peut faire ceci ou cela. Mais pourquoi son choix a été seulement sur Nicki Minaj? Et non, même Nana Ketchup en Afrique, Nicki Minaj, puisque c'est Nicki Minaj d'abord, elle a une beauté extravagante. Imaginez, elle est aujourd'hui à l'âge à peu près de 40 ans. Aller en arrière à l'âge de 16 ans, elle était comment? À l'âge de 38 ans, c'est pas 40 ans aujourd'hui, elle pompe la beauté d'une femme de 15 ans. Et si elle avait, imaginez-vous Nicki Minaj à l'âge de 16 ans, elle était comment? Très belle. Très rayonnante, très séduisante, trop belle alors, avec B majuscule, avec un corps clair comme le soleil de midi. C'est ça Nicki Minaj. Elle n'a pas cherché Fally Ipupa. C'est Fally qui est venu vers elle. Il y a des photos de mariage. La fille là a dit, pour moi si pour m'honorer, je ne peux même pas coucher avec toi avant de faire le mariage. Ils ont passé par l'acte de mariage, les dossiers, les photos de mariage sont sur les réseaux sociaux. Tout le monde les a vus. Nicki, elle a si honoré sa personne, elle a si honoré son corps, elle a si honoré sa famille. Par le mariage d'abord. Fally n'avait même pas le choix, puisqu'elle a vu une beauté rayonnante, une beauté séduisante de Nicki Minaj. Il ne devrait que s'appuyer, soit s'agenouiller devant cette beauté angélique de Nicki Minaj. Les gens qui parlent trop aujourd'hui doivent savoir beaucoup de choses. Ce sont des gens ignorants. Il y a les gens qui sont nés. Les gens qui sont nés dans la malchance. Ils sont nés sans amour, sans affection de leurs parents. Il y a les gens qui ont été refusés. On les a. Je vais parler dans la vidéo ici. Je vais parler. Vous les mamans là, vous les mamans qui prenez du temps à insulter Nicki Minaj sur les réseaux sociaux. Vous passez vos temps. Je parie que vous êtes des femmes seules, des femmes qui n'ont pas de vie, les femmes abandonnées à cause de comportements sales. Dans votre foyer, mettez-vous d'abord à la place de Nicki Minaj. Si Nicki était votre sœur, vous qui insultez Nicki Minaj, mettez-vous d'abord à la place de la famille de Nicki Minaj. Si Nicki était votre grande sœur, si Nicki était votre petite sœur,
comment réagissez-vous? Comment pourriez-vous réagir à la situation dont Nicky Menga vit aujourd'hui? Quand je dis toujours à les gens qui sont venus en Europe, sa vision, puisque ce sont des femmes qui vivent en Europe, c'est elles qui toujours, qui sont là pour donner une image négative de Nicky Menga. Toujours image négative. Je vais parler, il y a les audios qui ont été là de Nicky Menga. Il y a les audios. Il y a la chanson dont les gens ont pris vraiment pour montrer que c'est Nicky Menga n'a même pas les affaires de femme. Je vais parler. Si la vidéo ici n'est pas complète, je vais continuer dans d'autres vidéos. Vous avez chauffé mon cœur. Vous avez chauffé mon cœur. Dans la vie de tous ces gens, de toutes ces choses ici, il y a les enfants. Mes nièces qui sont là. Je vais parler. Je vais parler. Il y a des insolents qui ne comprennent pas. Quand Fally Ipupa à Côte d'Ivoire, il a dit que ma première fille, ma fille, c'est Keina Monique. Où est-ce que vous étiez? Est-ce que Fally était, il était drogué? Je pense qu'il était normal. Il savait de quoi il était en train de dire. Il y a des choses dont vous ne comprenez pas. Français angopé. Il y a des Français qui commencent à fuir. Ça fait longtemps que je me suis exprimé en français. Mais Fally est un hypocrite. Il y a aussi une figure de style. Fally a utilisé la chanson où elle a chanté. Je sais pas, Nana Ketchup qui m'a fait papa, je ne sais pas quoi. Ça, c'est une figure de style. Je vais développer ça dans l'autre vidéo. C'est une figure de style. Il faut bien réfléchir. Il faut avoir une bonne cabane pour comprendre les messages de Fally Ipupa. Ce sont des messages codés. La musique de Fally Ipupa, des fois, il y a des dissertations, mais il faut vraiment être intelligent pour décoder ce qu'il veut dire. Un monsieur qui est vraiment traumatisé par Nana Ketchup. Un monsieur qui est vraiment. Qui n'a plus besoin de vivre à cause de Nana Ketchup. Un monsieur qui ne rit pas. Un aigri. Je viens avec ça. Il faut que ça soit dans l'autre vidéo. Ça, ici, je vais parler d'abord de Nicky. Et Fally Ipupa, qui a cherché qui? Tout le monde sait que c'est Fally qui a cherché. Les femmes ici qui critiquent Nicky Menga, vous les femmes là, si seulement un jour Fally vous faisait même un coup d'œil, je sais, vous allez mourir. Mais la fille ici qui doit vous critiquer chaque jour, Nicky Menga, Fally est venu vers elle, il s'est agenouillé, il s'est prosterné devant elle. Fally, comment on dit? Un homme qui ne respecte pas les femmes. Un homme qui ne comprend même pas la valeur d'une femme. C'est lui qui était le premier à tricher dans son foyer. Nicky lui a donné une très jolie jolie fille. Une princesse qu'on appelle Keina Ipupa. Keina Monique Ipupa. Mais Fally, comme il, c'est un homme capricieux, un aigri, un vanipier, un vantard. Il a triché. Lui qui a fait le mariage, mais il a triché pour avoir le petit là qu'on appelle Marcosi, qui a la figure de Yuri Kalenga. Il a triché. Mais Nicky Menga attaque une femme qui a une valeur exagérée de la tradition africaine. Elle a pu supporter ce monsieur, ce petit voyou de Fally Ipupa. Malgré ça, je ne veux pas entrer dans ça parce que ça va m'énerver. Je vais laisser ça. Ça va m'énerver. Vous avez chauffé mon cœur. Je ne peux même pas. Je ne me contiens plus à cause de ça. Fally, un tricheur. Un homme qui n'a jamais été satisfait de tout ce qu'on lui donne. C'est comme ça qu'il a même. Qu'il ne respecte pas Kofi Olomide, l'homme qui l'a façonné, l'homme qui l'a créé, mais il est en train de l'insulter aujourd'hui. Vous pouvez dire que Nicky n'a rien fait dans la vie de Fally. Dites ce que vous voulez. Mais dans votre conscience, sous conscience dans la tête, vous savez bien que grâce à Nicky Menga, Fally a été appelé papa dans sa vie. Grâce à Nicky Menga, Fally a signé papier de mariage. Grâce à Nicky Menga, Fally a trouvé des documents de l'Europe, des papiers.
Ça, c'est grâce à Nicky Menga. Vous allez monter, vous allez descendre. Mais la réalité est toujours que Nicky Menga a contribué beaucoup dans la vie dans la vie de Fally Ipupa. C'est ça qui est la vérité. Je continue. Aujourd'hui, s'il y a une dislocation dans les mariages, s'il y a une séparation dans les foyers de Nicky Menga et Fally Ipupa, c'est à cause de Fally. À cause de ce truc qui ne cache pas dans son caleçon. Il est toujours là en train de baiser à l'extérieur. Il ne se contrôle pas. Pendant qu'ils étaient ensemble, Nicky ne l'a jamais triché. Pendant qu'ils étaient ensemble, c'est Fally qui sortait à l'extérieur. C'est lui qui trichait. Quand vous venez ici sur les réseaux sociaux en train de citer Nicky Menga, donne-lui aussi du respect. Il faut savoir que c'est une femme qui s'est respectée jusqu'à la fin. Elle s'est respectée jusqu'à ce que Fally a commencé d'utiliser de son respect. Il a commencé à utiliser Nicky Menga puisque Nicky Menga le respectait. Alors Fally a utilisé de ces points-là. C'est comme si c'était une faiblesse pour Nicky Menga. Alors Fally voulait utiliser ça pour la traumatiser. Attention avec Nicky Menga. C'est une femme douce, une femme tendre, une femme qui aime les enfants, une femme qui sait protéger son mari. Combien de fois Fally Ipupa est insulté, mais Nicky Menga passe toujours sur les réseaux sociaux, dit n'insultez pas les maris, les papas de mes enfants. Combien de fois? Est-ce que Nana Ketchup est capable de dire ça? Vous avez voulu les faire, maintenant on va commencer. Si vous voulez recommencer les affaires de l'année passée, on va venir. Puisque vous pensez que c'est vous qui avez le monopole de parler, on va venir, on va parler de ça. Une femme qui ne parle pas, à un moment donné, elle est toujours en train de faire des actions caritatives. Vous êtes toujours là pour critiquer, même négativement. Elle parle aux enfants, elle aide les enfants, vous êtes là pour la critiquer. Elle va prendre douche, vous la critiquez. Elle veut manger, vous la critiquez. Fally fait sa musique, vous la critiquez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment que Nicky Menga fasse? Comme c'est les réseaux sociaux, vous voulez la critiquer, vous voulez l'insulter, vous voulez l'enterrer vivante. On va venir pour la protéger. On va venir pour parler d'elle maintenant là. On va commencer, on va voir qui a raison, qui est qui. N'oublie pas que l'avenir est sombre. N'oubliez pas que l'avenir est sombre. Les gens qui se sont aimés un jour, attention avec leur amour. Si Fally jette des jetons, ça c'est une autre vidéo. Ça, c'est une autre vidéo à suivre. Vous savez bien que je ne fais pas de longues vidéos. Je ne fais pas de longues vidéos. Mais je vous informe que Fally Ipupa, c'est lui qui est venu. Et je vous informe aussi que Fally Ipupa va revenir. Comme il était venu, il va aussi revenir. Jésus était venu ici, sur la terre. Odio aussi va revenir, n'est-ce pas? Fally était venu à Nicky Menga. Il va aussi revenir. C'est ça la réalité. Il va revenir. Il va revenir. C'est ça qui est la vérité. Vous allez monter, vous allez descendre. Nicky Menga n'est pas votre camarade. Vous allez monter, vous allez descendre. Lui, c'est elle qui a refusé Fally Ipupa. Ce n'est pas Fally qui a refusé Nicky. C'est Nicky qui a refusé Fally Ipupa. C'est ça qui est la vérité. C'est pour cela que Fally n'a jamais été content. Il a toujours voulu être un homme, de récupérer la femme pour qu'il soit le premier à refuser. Mais tellement que les choses sont faites, comme Nicky Menga a le comportement des Français, des Européens, elle a refusé. Tu ne peux pas la forcer. Et quand elle a refusé. Ce n'est pas elle qui s'accroche à Fally, mais c'est Fally qui s'accroche à Nicky Menga. C'est ça la réalité. Si Fally ne s'accrochait pas à Nicky Menga, pourquoi il chante des chansons de ghetto? C'est parce qu'il a toujours l'affection à Nicky Menga. C'est parce qu'il aime Nicky Menga. C'est ça la réalité. Nicky Menga doit rester calme, sereine, puisque c'est elle qui a la clé de la réussite de Fally. Grâce à Nicky Menga, on parle de Fally Ipupa. Grâce à Nicky Menga, Fally est en Europe. Grâce à Nicky Menga, Nana Ketchup est en Europe. Grâce à Nicky Menga, Nana Ketchup a des affaires en Europe. C'est ça la réalité. Si Fally n'avait pas les papiers, Nana Ketchup ne pourrait même pas être en Europe.
Mais c'est grâce à Nicky Menga donner les papiers à Fally. Fally aussi a donné les papiers à l'autre. Donc c'est Nicky Menga qui est le centre, qui est toujours unité de mesure de votre famille. C'est lui, c'est elle qui a tout fait pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Vous allez monter, vous allez descendre, c'est ça la réalité. Bande de cons, bande de couillons, des femmes sans valeur, des femmes illettrées. C'est elle qui insulte une femme qui n'a rien à faire avec les réseaux sociaux. Une femme qui aide les enfants démunis en Afrique. C'est les femmes qui n'ont même pas la force d'aider même leur famille. C'est elle qui critique une femme qui aide les gens. Je suis déjà de retour. Mes examens finiront demain. Donc je suis de retour. Vous insultez, on va venir vous recadrer. C'est ça la réalité. On vous connaît déjà, on connaît qui vous avoit et comment vous avoit et quand on vous avoit, on connaît tout maintenant là, tout c'est carré, on vient. Moi je suis Nicky, je vais défendre Nicky jusqu'au bout. Vous qui étiez venu pour défendre Nicky, chercher des visibilités, chercher des abonnés, où êtes-vous aujourd'hui? Des bandes de mendiantes. Aujourd'hui, vos chaînes aussi vont finir à un moment donné. Ça va finir puisque vous êtes des bandes de mendiants. Ici, on défend la valeur africaine. Ici, on défend la femme qui est défavorisée. Ici, on défend les valeurs vraiment, les valeurs humaines. C'est ici dans la chaîne. Ici. Je vais continuer jusqu'au bout. Moi, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Je serai, je suis et je continuerai à être le beau frère de Fally Ipupa. Moi, je recadre seulement les gens. Il est mon beau, je vais les recadrer. Il y a mes nièces dans l'affaire ici, je vais les protéger. Il y a ma sœur dans l'affaire ici, je dois la protéger. C'est ça la réalité. Je suis qui je suis. Que tu le veuilles ou pas, je vais la défendre. Vous qui êtes des Moukala, des Mikala, des Nana Ketchup, la vidéo vient pour vous. Elle sera là aujourd'hui même. On est ensemble et à la prochaine. Bye.